Je vous demandais en fait de faire un petit résumé en fait de vos deux jours, voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, s'il y a des choses qui n'ont pas été, il faut le dire aussi. Et voir un petit peu sur votre chien en fait ce que vous avez apprécié. On va commencer avec Red, un petit peu. Au départ, bah, je ne croyais pas vraiment au bout de deux jours qu'on allait se sortir. Ouais. Tellement il était compliqué. Puis, C'est bien, hein. Maintenant, il faut voir. Il faut continuer, voilà. Bien sûr. Non, elle comprend bien, elle est super. Le hein. Boulot de Boutreau, c'est super pour ça. Excellent. À mon avis, j'étais parti sur de mauvaises bases. Je n'avais pas les mots qu'il fallait. Oui, attitude. Il faut arrêter de mettre un peu de calme en fait au départ, sur les croisements, en fait, de la communication de calme. Puis elle nous a fait voir que ouais, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Non, c'est excellent, hein. Très très bien. Excellent. C'est gentil, c'est gentil. Natalia là-bas, vous avez pensé quoi un petit peu des deux jours? C'est bien? Encore un petit peu de travail? Ouais, ouais, hein. C'est bien de ne pas avoir lâché. Vous êtes bien battu en fait pendant les deux jours. Et ça, c'est excellent. Et bien, hé, ici là. Ça permet un rappel aussi sur ce qu'on avait fait en éducatif individuel. Ouais. Alors, excellent, excellent. On met le cas là. Ouais. Ouais, alors on rappelle, il y a un vétérinaire qui a dit qu'il était en fait. Alors il a été recommandé par la clinique vétérinaire de Tain. Ouais, d'accord. C'est ça. Et il a été classifié 2 sur 4, c'est ça? Et Mika, ouais, voilà, il a été jugé parce que, ben, il y a une période qui n'a pas été simple il y a 3 ans. Oui, d'accord. C'est un chien qui va mieux depuis une petite année. Ouais, c'est bien, alors en tout cas. Aujourd'hui, c'est bien de. Voilà, on va faire encore, et il a confirmé en fait que bon, c'était un bon chien, il n'y a pas eu d'agression en fait. Ouais, c'est ce que bah, les collègues disaient, pour moi c'est ça. Rassurant. Puis, bah, je suis vraiment content, en fait, j'avais un petit stress, un gros stress avant. Oui, bien sûr, c'est toujours impressionnant. Et ouais, donc, plutôt rassuré. Excellent, ouais. Excellent. Non, c'est bien, faut continuer. Mon petit Marcus. C'est bien? Je me rends compte quand même qu'il est pas si indigne que ça. Excellent, il est excellent. Non. Et puis voilà, non mais. Je sais pas quoi dire. J'ai bien aimé aussi le fait que déjà vous ayez chacun votre chien, votre propre chien. Donc, ouais. Que, voilà, c'est pas toujours simple en plus. C'est ça. Voilà. Bien sûr. Écoutez les conseils qui sont donnés aux autres aussi. Je trouve qu'on apprend beaucoup. Bien sûr. Non, excellent, Marcus. Après, effectivement, il y a un petit côté tête de mule en fait à. Ouais. À travailler. Bon, en tout cas, un super chien excellent, vous avez fait un super boulot. Merci. Ma petite Sia là. Oh, Sia, bah, toujours le même problème. Hein, ah oui. Le regard est dur. Oui. Encore beaucoup de boulot. Puis en fait, on voit bien les changements quand vous la prenez ou quand nous on la prend. Donc elle triche un petit peu en fait avec vous. Mais en fait, après, c'est bien, c'est que vous n'avez pas lâché l'affaire en fait pendant les deux jours. Et vous êtes battu un petit peu. Là, elle n'a pas trop réagi en frais en extérieur sur les chiens, sur les gens. Donc, c'était plutôt bien. Mais bon, pas facile, hein. Elle n'est pas facile. Pleine d'émotions. C'est difficile à gérer, mais bon, faut pas lâcher l'affaire. Ma petite Ouma. Ouais. Excellent. Dans la lancée pour qu'elle continue les efforts qu'elle a fait. Oui, puis vous aussi, super productivité dans ce que vous avez fait en fait pendant deux jours. Ça se voit sur la chaîne du coup. Mais excellent, excellent. Oui. Mon petit Alcent. Eh oui,
Mais bon, il y a du travail encore, hein, parce que avec les chiens, c'est quelqu'un celui-là. Hein. Mais après, il faudra trouver les expériences de vie tous les jours. On en parlera tout à l'heure, en fait, un petit peu de ce qu'on peut faire pour la suite. Okay. En permanence, sur ce qu'on dit, on n'arrête pas de vous rappeler les choses sur les petites erreurs que vous faites au quotidien et devant nous, du coup, pendant 10 jours. Et vous avez été top là-dessus, vous êtes resté concentré à 100%, toujours à l'écoute et toujours dans le bien-être de votre chien. Donc là-dessus, un grand respect en fait de ce que vous avez fait pendant 2 jours. Bravo! Bravo, merci à tous! Merci à tous!